Il a dirigé Charlie Hebdo pendant des années. Il en a été euh, l'un des visages, l'une des plus grandes plumes, le patron, donc patron également de France Inter. Bonjour Philippe Val. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu, Philippe Je vais très mal, mais c'est normal, non J'ai perdu tous mes amis aujourd'hui. C'était des gens tellement vivants. Qui avait tellement à cœur de faire plaisir aux gens, de, de les faire rire, qui avait à cœur de, de leur donner des idées généreuses. C'était des gens très bons. C'était les meilleurs d'entre nous, forcément. Comme tous les gens qui font rire, comme tous les gens qui sont pour la liberté, comme tous les gens sont, qui sont pour que on puisse aller et venir librement, en sécurité. Ils sont été assassinés. C'est une boucherie épouvantable. Et. Il faut pas laisser le silence s'installer. Il va pas s'installer. Il faut, il faut vraiment nous aider. Maintenant, il faut nous aider. Il faut qu'on soit groupés contre cette horreur. La terreur doit pas empêcher la joie de vivre, la liberté d'expression. J'ai la, oublié la, des la, mots, la, 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 la con mais la démocratie, c'est quand même ça qui est en jeu. C'est cette espèce de fraternité qui fait qu'on peut vivre. Il faut pas laisser ça. Il faut. C'est un acte de guerre. Il faut peut-être que ce serait bien si si demain euh, les journaux s'appelaient Charlie Hebdo. Si on titrait tous Charlie Hebdo, si toute la France titrait Charlie Hebdo, ça montrerait qu'on n'est pas d'accord avec ça, que jamais on acceptera ça, que jamais on, on laissera le rire s'éteindre, jamais on laissera la, la liberté s'éteindre. On peut pas laisser ça. C'était des gens absolument merveilleux. Cabu, c'était un génie, un génie de la bonté, du Mais talent. Un enfant. Un grand enfant. Oui, Volinsky, richard tous ces gens, tous ces gens, je ne peux pas les citer tous, ils sont tous morts, mon ami Bernard Maris, tous. On peut pas laisser ça, on doit faire front, on doit rester très, très solidaire. Ce pas des gens méchants, c'était des gens qui voulaient juste qu'on vive heureux, c'était des gens qui voulaient que l'humour ait sa place dans nos vies. C'est tout, c'est que ça, c'est que ça, et c'est ça qui a été, qui a été assassiné. C'est juste pas supportable. Il faut, faut qu'on bouge. On a sans doute et je m'excuse de parler de ça, mais on a peut-être que les médias ont été peut-être pas à la hauteur pendant toutes ces années sur euh, sur cette radicalisation, hein. parce que beaucoup de gens qui sont musulmans aujourd'hui doivent être catastrophés par ça. Ils sont en Effendré. danger. Ils sont en danger eux aussi. On n'a pas assez parlé de cette montée du fondamentalisme en France. On n'a pas assez parlé de ça. On n'a pas assez tiré la sonnette d'alarme. On a fait ce qu'on a pu. On a souvent été bien seul. Aujourd'hui, on est. Aujourd'hui, je suis tout seul pratiquement. Je, ils sont tous mes amis sont partis. C'était pas pour une mauvaise cause. C'était juste pour qu'on puisse vivre, et que les enfants puissent aller et venir, qu'ils puissent dire des conneries sans danger. Voilà, c'est horrible ce qui arrive, c'est horrible. Il y aura un avant et un après, le... notre pays ne sera plus le même. On a exterminé euh, une certaine euh, façon de, de, de faire du journalisme, on a exterminé tous les gens qui étaient capables de faire rire avec les idées graves c'est Un deuil épouvantable qui s'abat sur nous, mais il faut pas que le, ce soit le silence qui gagne. Elisabeth Badinter avait dit ça au procès des caricatures elle avait dit, S'ils sont condamnés, c'est le silence qui s'abattra sur nous. Eh bien aujourd'hui, moins que jamais, il faut qu'ils s'abattent sur nous. Il faut parler, il faut dire, il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire ce qu'on pense. Et puis, j'ai pas la foi, mmh. c'est dommage. J'aimerais peut-être avoir la foi aujourd'hui parce que si je l'avais, je dirais. S'il y avait une vie après la mort, je leur dirais combien je les aime, combien ils, ils, ils ont été indispensables à ma vie, combien ils sont indispensables aussi à tous les autres, ils sont indispensables à, à tous les gens qui, qui ont besoin de la liberté pour vivre. Ils faisaient rire, Philippe. Ils faisaient rire. Mais ils étaient joyeux aussi. Hein. Ils étaient très joyeux. La joie, c'est aussi, euh, le... déma... aussi la démocratie, la joie, Philippe. On a tellement ri. Il faut continuer à rire, c'est difficile aujourd'hui. C'est dur. C'est très difficile, mais c'est l'arme absolue, le rire. C'est l'arme de la fraternité. Il faut laisser le rire. Il faut laisser les gens ridiculiser les, les salopards. Il faut. faut c'est par ce moyen-là. Il faut qu'on se tienne. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Il ne faut pas se lâcher là. C'est très grave ce qui vient d'arriver. Philippe, il y, y a beaucoup de monde qui arrive à la Place de la République, à Paris. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde, il faut qu'il y ait tout le monde. On ne peut pas vivre dans ce danger-là, on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas vivre dans la peur.